Alors maintenant, nous allons passer à l'étape du dressage. On va farcir notre tomate du tartare au couteau qu'on a préparé. L'étape du dressage et pour farcir la tomate est très très importante. L'écrin doit rester intact. Donc avant de la farcir, on l'a assaisonné à l'intérieur, sel, poivre, pour donner justement du goût à notre tomate. Et maintenant, on va farcir très délicatement, sans forcer, mais en essayant d'en mettre à peu près partout à l'intérieur. Cette partie est très importante parce qu'il ne faut pas craquer la tomate. Une fois que la tomate est complètement remplie, il nous suffira de la retourner dans notre assiette. Donc maintenant que notre écrin tomate est garni et farci, nous allons donc passer au dressage à l'assiette. On a ici monté une chantilly paprika, donc avec les mêmes aromates qu'on a retrouvés dans la tomate. Donc ici, je vais venir mettre quelques ciselages de lomo. Ici, je mets une petite feuille de red charme. Je vais ici travailler aussi quelques feuilles d'oxalis. Et je continue à décorer ici mes différents îlots. On va ici un peu y mettre quelques poudres de couleur qu'on a réalisées avec des pains qu'on a parfumés. On a haché ici tous les condiments qu'on a travaillés au départ pour redonner ici à notre poudre, à notre crème chantilly qu'on a montée, quelques parfums qu'on retrouve dans la tomate. Miser sur le rouge avec la Ruby Beef, l'association d'une tomate avec un tartare avec une qualité de viande exceptionnelle, avec un soin particulier à l'assaisonnement. Bon appétit!